Salut à tous. Parfois, on oublie à quel point la gentillesse et la bonté authentique existent dans notre monde. Cette compilation est là pour nous rappeler à tous qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des super pouvoirs pour être un vrai héros. Parfois, il suffit juste de ne pas fermer les yeux. Au moment où il a vu ses chiens en danger, cet homme n'a pas hésité une seule seconde. Son amour inconditionnel pour ses animaux et sa bravoure sont vraiment remarquables. Quelques secondes avant le passage d'un train, un homme âgé a dégringolé sur la voie ferrée. Heureusement, un homme qui se trouvait dans les parages n'a pas hésité à lui venir en aide. Bravo à lui pour sa réaction rapide et le soin qu'il porte à son prochain. Son enthousiasme à donner un coup de main est admirable, tout comme sa réaction rapide comme l'éclair. Une maman ours et ses petits se sont accidentellement égarés dans une cour où se trouvaient des chiens très courageux. Mais leur propriétaire s'est avéré être encore plus téméraire. Tous ceux qui figurent dans cette séquence ont courageusement sauvé leurs proches et protégé leur famille. Chapeau à eux. C'est un miracle que le propriétaire de la maison ait remarqué ce petit attaque. Ils ont dû casser une partie du mur, mais peu importe, parce qu'une vie est sauvée. Cependant, il n'y a pas que les animaux qui ont besoin de soutien. Ils sont aussi prêts à donner un coup de main à tout moment. Regarde avec quelle impatience et quelle fierté ce brave toutou aide ce gars en fauteuil roulant. La plupart des gens n'ont pas remarqué le regard nostalgique que le garçon lançait à ses baskets. Mais pas ce type. Il a aidé sans compter à franchir le premier pas vers le rêve de ce futur athlète. Des gens comme lui nous font croire que la bonté et la compassion authentique existent encore dans ce bas monde. Même s'il n'avait presque plus rien à manger, ce type a partagé son repas avec un chat errant, faisant preuve d'une gentillesse et d'une compassion dont beaucoup d'entre nous pourraient s'inspirer. Un mannequin a été suspendu au toit de cette maison parce que les propriétaires voulaient recréer une scène célèbre du film Le sapin à boules. Mais lorsqu'un passant l'a confondu avec une vraie personne, il s'est rapidement précipité pour l'aider et a appelé la police. C'était un drôle de malentendu, mais grâce à ses actions, ce type a restauré la foi en l'humanité de tous les habitants du quartier.
un vrai miracle de Noël. Pour une raison obscure, lorsque ce petit enfant était à son tour en danger au beau milieu de la route, ses parents n'étaient pas là au bon moment et au bon endroit. Mais heureusement, ce jeune homme attentif était là pour l'aider. Maintenant, cet enfant aura une inspiration pour les années à venir. L'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de rendre un enfant heureux. Ce type a apporté des tonnes de joie aux enfants, et leurs sourires sont probablement la meilleure des récompenses. Voici des images réconfortantes réalisées en Chine après un tremblement de terre. Des élèves sont restés calmes pendant l'évacuation et ont aidé leur professeur en fauteuil roulant à sortir du bâtiment. On voit bien qu'ils sont devenus des adultes vraiment admirables. On dirait qu'elle n'a même pas réalisé qu'il venait de lui sauver la vie. La mère d'un enfant de 6 ans a écrit au poste de police de son quartier pour leur demander de souhaiter un joyeux anniversaire à son fils, en pensant qu'une voiture de patrouille passerait peut-être par là. Mais les policiers ont pris cette demande au sérieux et ont rendu cet enfant le plus heureux au monde ce jour-là. I like your uniform. Do you want a pen? That is awesome. Say thank you. Thank you guys so much for being surprised. Was this a good birthday present? You know who surprised you? She's right behind you, your mommy. Did I? On dirait que le moment est venu pour qu'un véritable héros entre en scène et arrête ce trouble fait. Mais crois-moi, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Propriétaire imprudent a laissé son chien dans son véhicule alors qu'il faisait près de 40 degrés à l'extérieur. Les passants ont attendu pendant une heure que le propriétaire revienne, mais lorsqu'ils ont vu le chien lutter pour respirer, ils ont décidé de ne pas perdre un instant de plus. C'est vraiment un beau geste. Poor dog. Voilà un entraîneur à qui tu peux faire confiance pour s'occuper de ton enfant. Lorsque les participants du festival ont commencé à se rendre compte que les choses ne se passaient pas comme prévu, ils ont été un peu déstabilisés au départ. Mais ils se sont rapidement réunis pour apporter leur soutien. Oh oh! Un beau travail d'équipe.
On pouvait voir dans les yeux de ce pauvre homme à quel point il espérait de l'aide. Et elle est finalement arrivée. De tels gestes sont une véritable source d'inspiration. Lors de l'incendie qui a ravagé l'immeuble, ce petit chat a respiré trop de fumée et s'est retrouvé à bout de force. Pourtant, les pompiers ont réussi à le sortir et à le réanimer en toute sécurité. Nos pompiers méritent tout notre respect, et ce genre de moment en est la preuve irréfutable. Ce gamin a un modèle de super-héros dans la vraie vie, et non pas dans un film. C'est effrayant de se dire ce qui aurait pu arriver au chien si la réceptionniste l'avait remarqué ne serait-ce que quelques secondes plus tard. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Ce héros mérite un tonnerre d'applaudissements. Ce type a pris le temps d'aider une ambulance à se frayer un chemin dans la circulation et a fini par sauver au moins une vie. C'est un acte héroïque. Quand tu vois ce genre de choses, faire la queue à la station-service ne te semble pas si terrible. C'est un petit homme, mais un grand cœur. Bravo à lui, mais aussi à ses parents, pour avoir élevé un esprit aussi bienveillant. Ce coach a réagi juste à temps pour éviter que ce gamin ne se blesse. Si l'on se préoccupait tous autant des problèmes des autres que ce conducteur, le monde serait bien meilleur. Il n'a fallu que quelques minutes au motard pour aider cette vieille dame, mais ça lui a permis d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Un bel exemple de gentillesse.
Le chat a eu une chance incroyable d'avoir un gardien aussi attentionné à ce poste. Non seulement il est venu courageusement et rapidement en aide à cet animal, mais il s'est également assuré que le chat ne se retrouverait plus jamais dans de tels ennuis. Un grand merci à vous, monsieur. C'est tout un mystère de savoir comment ce chien s'est retrouvé là. Mais il a eu de la chance que ses sauveteurs se trouvaient à proximité. Les gars, vous avez fait un beau travail. Ces gars n'ont pris qu'une minute de leur temps, mais ils ont fait une très bonne action. Et ça, c'est des gens au grand cœur. Pendant l'inondation, ce pauvre chat a grimpé dans un arbre par désespoir et serait peut-être resté là on ne sait combien de temps s'il n'y avait pas eu la personne qui a filmé cette vidéo. Regarde, ce chat s'est rendu compte qu'il était sauvé et il est descendu à bord de l'embarcation. On dit que les animaux peuvent sentir des intentions humaines et en voici un parfait exemple. Un pauvre cheval est accidentellement tombé dans une fosse et était probablement résigné à son sort. Mais ses héros sont intervenus. Le cheval était épuisé, mais heureusement indemne. Bien joué les gars. Lorsque la police a arrêté cette femme aux alentours de Noël, elle a commencé à s'inquiéter. Mais seulement parce qu'elle ne savait pas ce qu'il cherchait à faire. Are you finished for the holidays? All right. Got one more step. All right. Well, I can probably make your Christmas a little bit nicer. So, on behalf of the Lilburn Police Department and Secret Santa, I want to give you a little gift. What? Oh my gosh! What the? $100 bill. Si ses élèves ont manqué un cours pour aller en aider d'autres, ils devraient tous obtenir automatiquement un 20 sur 20 dans cette matière. Le vent était si fort que la femme et ses enfants, coincés à l'extérieur, avaient trop peur pour se déplacer. Heureusement, ces héros sont venus à leur secours. Hey, what the... What the... Quoi? What the... What the... Espérant qu'ils recevront également de l'aide lorsqu'ils en auront besoin.
Les gens qui interviennent pour offrir leur aide sans qu'on le leur demande sont toujours admirables. Ils savent simplement quand il est crucial de donner un coup de main en cas de coup dur. Ce cheval se débattait avec ses dernières forces face aux éléments, et il semblait que seul un miracle pouvait le sauver. Heureusement, ce miracle est apparu sous la forme de quelques gamins bienveillants munis d'une corde. Les pompiers ont par hasard repéré ce chien qui se trouvait en mauvaise posture, et ont immédiatement lancé une opération de sauvetage. Voilà qui nous rappelle une fois de plus que tous les super-héros ne portent pas forcément de cap. Certains portent un autre type d'uniforme. Les catastrophes naturelles sont difficiles pour tout le monde, mais elles frappent plus durement ceux qui ne peuvent pas se débrouiller seuls. Ces hommes surveillaient le quartier, à la recherche de personnes ayant besoin d'aide, et ont heureusement repéré la main de cet homme à la fenêtre. En le sauvant, ils ont vraiment amélioré leur karma. Ces piétons se sont regroupés pour arrêter une voiture qui glissait et éviter une collision. C'est impressionnant de voir comment est-ce qu'ils se sont unis pour une bonne cause. Lorsqu'un chien plus gros a commencé à poursuivre le chien de ce type, il ne s'est pas contenté de laisser le hasard faire les choses. Il est intervenu et a fait tout ce qu'il pouvait pour le sauver. Ce qu'on appelle un véritable ami. La pluie les a pris au dépourvu pendant qu'ils travaillaient. Et le collègue de ce gars-là n'a pas supporté le voir tremper. Tout le monde a besoin de partenaires bienveillants comme ça. Le chauffeur du camion aurait pu rester assis et ne rien faire, mais il a trop bon cœur et pense toujours à la sécurité des autres. Parfois, tout ce qu'il faut pour faire une bonne action, c'est de prêter plus d'attention aux besoins des autres. We'll be right back.
так больше делать. Я тебе сказал с ними гулять, значит с ними гулять. Чего ты хочешь? Что помоги, пожалуйста, мне бьёшь. Оставь, оставь. Что это моя девушка, ещё одна наша развода. Зачем так делать? Надо так делать, зачем? И что, это моя девушка, оставь. Пойдём. Оставь, и что? Ты видишь девушку, и что? И что, какие проблемы у тебя ко мне есть? Какие проблемы? Стой, стой, вон там камера, нас снимай, братан, это эксперимент. Да тихо, оставь. L'impressionnant souci du bien-être des étrangers. Si ta voiture tombe en panne sur la route, tu peux avoir l'impression d'être tout seul dans cette situation. Et heureusement pour cette dame, il y avait quelques gars à proximité qui étaient prêts à tout laisser tomber et à donner un coup de main à une inconnue. Ça mérite le respect. Make sure it's in neutral. Good. Oh hell no, we're not pushing this all the fucking way. No, we're just gonna get her in this turning lane. Someone jumped on our bike. Le conducteur se dirigeait initialement dans la direction opposée, mais il pouvait pas se contenter de regarder et de passer sans rien faire.